Bah voilà, j'ai pu partir sur une grosse attaque dans la partie sinueuse avec l'enchaînement de virages droite-gauche-droite. Et après, une fois à deux devant avec un autre représentant de l'autre grosse équipe, on a pu faire le trou tranquillement et après penser au sprint. Je l'ai laissé devant à 500-600 mètres de l'arrivée pour lui laisser faire le sprint. Et je passe à l'avant-dernière ligne droite avant le virage pour être sûr de passer le virage en tête avec une bonne vitesse. Et voilà, une fois relancé, un petit coup de regard entre les jambes pour savoir s'il était loin ou pas. Et après, j'ai pu venir l'emporter ici. Je suis vraiment super content. Je suis toujours licencié en Bretagne malgré que j'habite à Toulouse. J'ai toujours à cœur de venir tous les ans ici à Rennes. Essayer de venir briller, je l'avais jamais remporté donc je suis vraiment très content de mettre à mon palmarès les Rennes. Et oui c'est vrai qu'en tant que trentenaire je commence à faire partie des vieux briscards du peloton et voilà Jason Tuttle c'est 22 ans, c'est l'avenir du roller mais voilà, j'ai pu faire parler mon expérience et venir l'emporter, donc c'est super cool. Bah, la semaine prochaine on a les championnats de France route à Alençon, donc on va essayer de surfer sur la forme d'aujourd'hui pour arriver encore en forme le week-end prochain. Et après, on pourra commencer à regarder d'autres courses internationales. Et ensuite, les gros objectifs, c'est les Jeux mondiaux, mais on a 15 sièges pour l'équipe de France, donc on verra bien qui est sélectionné au mois de juillet. Et après, mois de novembre, les championnats du monde en Argentine, qui est l'objectif ultime de cette saison. Donc on verra bien, j'ai la saison encore longue. Ça me fait un gros mois de mai, je suis à ma troisième victoire sur le mois de mai sur 3 marathons, donc je suis vraiment super content d'enchaîner comme ça et voilà, on va essayer de surfer encore sur cette vague un petit peu quelques week-ends, il m'en reste 3 week-ends à enchaîner, donc on va espérer de continuer comme ça.